Appelez-moi DJ Snake. En gros, tout ça c'est mes pédales. Concrètement, ça sert à quoi une pédale? Une pédale, en fait, c'est, je vais te montrer, je vais l'utiliser avec ma guitare. Là, t'as plein de câbles, t'as tout un circuit de pédales qui est directement relié à la carte son. Mmh. En fait, ça me sert à ajouter des effets quand j'enregistre une guitare. J'enregistre pas énormément de guitare jusqu'à maintenant, mais j'aime bien les utiliser comme effet sur des synthés aussi que j'utilise ou sur mes voix. Ouais. T'es pas obligé de les utiliser que sur la guitare. En gros, ça c'est une distorsion qui s'appelle 1981. C'est un mec qui les fabrique indépendamment, qui en fait que dalle par an. C'est un modèle super rare et super cool. Ça c'est un delay de Strymon, c'est une timeline. Ça c'est un Strymon Big Sky Reverb. Ça c'est une deuxième reverb. Ça c'est un delay mais aussi pitch shifter. Je vais te montrer ce que ça fait un effet un peu chelou. C'est pas le truc quand t'augmentes la... quand ça fait des voix comme ça. Ça peut marcher comme ça aussi. Ouais. En fait, le truc, c'est que les pédales, c'est deux pédales de Chase Bliss. Mmh. En fait, Chase Bliss, en général, il mélange les différents effets. Ok. Pour, genre, celle-là, c'est une reverb, mais c'est aussi, hein, tu vas voir, c'est aussi un espèce de pitch shifter aussi. Okay. Et celle-là, c'est pitch shifter analog delay. Celle-là, je m'en sers pas souvent, c'est un delay un peu chelou. Si tu veux, je te montrerai, mais elle est pas branchée, là. Le signal est complètement dry. Aucun effet. Ça veut dire qu'il n'y a rien dessus là. Ouais. C'est pur. Ouais, dry, okay. Ça veut dire sec. Ouais, exactement, signal sec. C'est brut, donc, quoi. Ouais, complètement brut. Là, j'active la disto. Ah ouais. Tu peux la régler. En fait, ce qui est bien avec l'analogique, c'est que ça dépend complètement de comment tu vas jouer jouer avec la guitare. Exactement, c'est que c'est complètement dépendant du jeu de la guitare. Ouais, vas-y, je vais te montrer comment je la couple avec la reverb. En général, c'est pas mal. Celle-là, c'est celle que tu utilises le plus, la 1981. C'est la seule pédale de disto que j'ai, parce que... Ah, okay. Ouais. En fait, j'aime pas trop d'habitude les pédales de disto, mais je trouve que cette disto-là, elle est très propre, elle est très... Souvent, les distos, ça a tendance à te faire un signal un peu gras, ouais. Tu vois. Et celle-ci, elle te lise vraiment le signal en même temps. Je sais pas s'il y a un compresseur avec, mais en tout cas, elle te lise vraiment le signal. Avec, tu la mélanges avec une reverb. Tiens, je vais te montrer. Je sais pas si. Ok. Ça, c'est le preset Cloud. C'est mon préféré. Ah ouais, ça laisse, c'est le derrière. Le derrière, à la fin, ça laisse un petit. Ouais, je vais essayer de te la montrer un peu plus. Nuage. Je te la montre un peu plus. Activer la disto, je vais te montrer le delay. On dirait t'as un tableau de bord, genre t'es dans un bateau. Ouais, activer la disto. C'est mon vaisseau spatial un peu. Ça c'est le delay vraiment basique. Il te répète une fois la note. Ah ouais, je vois. Moi, ce que j'aime faire dans mes musiques en général, c'est ajouter plein de textures et ajouter juste une petite note qui dure sur parfois 15-20 secondes, ouais. Mais qui crée toute la profondeur de la musique, tu vois. Et en fait, c'est avec les pédales que je fais ça ou c'est avec mes effets sur mon ordinateur. Après, j'utilise de plus en plus de hardware parce qu'il y a un vrai kiff à juste toucher des boutons et voir comment ça joue avec. Et ouais, puis je pense que ça te ramène un peu dans le matériel et la réalité de la musique, peut-être plus que... Surtout que quand on dit DJ, producteur de musique électro, les gens ils pensent toujours à quelqu'un qui est tout le temps sur son ordi, alors que là t'as quand même plein de pédales, t'as ton clavier et tout, et ta guitare, et tu restes quand même sur des sons qui viennent d'instruments réels. Ouais, c'est clair. Mais en plus, je pense que... Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir une plus grande légitimité en fait à utiliser des trucs comme ça. Je sais pas, tu te sens plus légitime d'avoir créé cette musique. Du coup, je sais pas, tu te sens plus créateur en fait avec ce genre d'instrument.
c'est un plaisir supplémentaire quand tu fais de la compétition et t'as l'impression de redécouvrir. Ouais, puis ça rajoute des subtilités qui se jouent à presque rien. Enfin, t'as, je sais pas, t'as 8 boutons à tourner pile dans un truc. Enfin, ouais, complètement. Tous les boutons sont pile dans une position et trouver cette position, ça prend déjà masse temps et c'est genre une petite subtilité qui apporte un truc que tu t'arriveras peut-être pas à refaire. Et surtout, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances. J'ai appris sur le tas, ouais. Que ce soit la guitare, que ce soit le piano. Que ce soit les pédales, tout ce qui est la composition, j'ai tout appris sur le tas. Je vais accorder ma guitare, parce qu'elle est désaccordée là. Ok. Je pense que c'est important de l'accorder quand même. Et si ça te chauffe, je joue des petits trucs et tu touches au bouton et tu actives tout. Ça va être des barres. Ah ouais, j'ai complètement oublié de vous parler de ma guitare. C'est une Gibson Les Paul toute nouvelle, fabriquée en 2018. D'ailleurs, petit shout-out à Gibson qui m'équipe sur ma tournée et en studio. J'ai toujours joué sur des Les Paul depuis que je me suis acheté ma première guitare à 100 balles sur Thomann. Et maintenant, on me prête des petits bijoux. Je commence à bien m'éclater avec toutes ces grattes. T'as carrément un logiciel pour l'accorder. Ouais, sur Guitar Rig, en gros, de Native Instruments. Non, parce que quand j'accorde, je fais toujours... Du coup, là, c'est le tap pour... T'sais, là, en gros, tu tapes pour le delay. Ouais. Tu peux le faire là aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire. C'est quoi? Mais en gros, ça, c'est pour régler le... C'est pour régler le rythme auquel, auquel t'as une répétition. T'as grave envie d'en avoir alors que je fais pas de musique du tout, tu vois, t'as trop envie de les collectionner. Bah, les pédales, c'est vraiment fait pour des guitaristes. C'est pour ça que moi aussi je maîtrise pas encore, tu vois, parce que c'est pas mon premier axe. Moi j'utilise de tout. Ouais. Et je pense qu'un guitariste parlera. Un guitariste parlera mieux que moi de tout ça, tu vois. Ok. Donc il y a moyen que tu te fasses lyncher dans les commentaires par des. Carrément. Mais après, voilà. J'avais envie de montrer tout ça, tu vois, parce que c'est mon petit kiff. C'est mon petit kiff personnel quand je compose. Et même parfois, je fais des mélodies au clavier. Mmh. Et j'aime bien retranscrire à la guitare pour essayer d'obtenir autre chose aussi, tu vois. Du coup, je t'ai présenté un peu toutes les pédales. C'est la partie un peu fun de tout ça. Maintenant, je vais te parler un peu plus de matos et tout. Donc là, il y a mon micro. Je m'en sers pour toutes mes prises de voix. Et aussi, je fais la guitare acoustique chez moi. Ouais. Donc du coup, ça sert bien aussi. C'est un micro Neumann U87 pour la ref. D'habitude, je me sers pas de ce petit pied de bureau. J'ai aussi un plus gros pied, mais là, c'était pratique pour l'Islande d'avoir des choses assez compactes. Okay. Au niveau du casque, c'est DT770 Pro. En gros, ce casque-là, c'est un casque fermé. Et en gros, les casques fermés, c'est vraiment pratique pour faire de la prise son. Ces enceintes qui ne sont pas les miennes, c'est des Adam Acetix, celle-là. Moi, j'ai des Adam A8X. Donc, ma carte son, c'est une Apollo Twin de Universal Audio. Le clavier, là, c'est un clavier Complete Control S61. Moi, je déteste composer sur des petits claviers. Moi, il faut soit 61, soit 88 touches. 88 touches, c'est fat, tu vois. Ben. J'ai toujours composé sur Fruity Loops. Et je sais que je ferai jamais du live sur Fruity Loops. Et toi, t'as essayé les autres ou genre t'as commencé avec Fruity et j'ai commencé avec Reason, un truc qui s'appelle Reason. Le studio, c'est Propeller Head. Et c'est super chaud, mec. En plus, j'ai testé aussi Logic, qui est plutôt bien. Moi, c'est juste parce que j'ai envie de garder FL. Ok. Ouais, après, voilà. Une fois que t'as fait tes marques dessus, après, en général, tu quittes pas. Genre, bah, c'est... T'as des habitudes de travail que tu vas mettre beaucoup de temps à reprendre avec d'autres logiciels. Quoi. Exactement. Tu démarres avec un logiciel et t'as du mal à le lâcher. Il y a des gens qui essayent de... Moi, je me suis dit pendant un moment, je vais aller
tâter un autre logiciel, aller, je prends du temps. En fait, c'est comme redémarrer à zéro et ça sert à rien. Pour avoir presque tout testé, le résultat, il sera le même. Le résultat sonore, il sera le même. En tout cas, au niveau de la qualité du son, si quelqu'un se demande « Ouais, mais pourquoi mon son, il sonne pas comme ça ?» C'est pas à cause de ton logiciel, c'est juste que tu dois améliorer ton son. Tous les logiciels, tu peux obtenir les mêmes résultats avec. Je pense qu'il peut être bien, au lieu de tapoter des touches comme ça au hasard, c'est de te montrer ce que j'ai fait avec ce clavier sur la musique que j'ai composée pour la vidéo qu'on a sortie la semaine dernière, donc la toute première vidéo sur l'Islande. Ouais, d'ailleurs, allez la checker si vous n'y êtes pas allé. Comme ça, vous entendrez la musique générale et ensuite, je vais un peu la décortiquer ici. Ça peut être intéressant. Je pense que le plus intéressant, c'est de te faire écouter ce petit hook que j'ai fait là. Un hook? Ouais, un hook, c'est... Oh bah ouais, je connais. Tu connais, ouais? Non. Ok. Un hook, c'est... C'est une petite mélodie. Une petite mélodie, voilà. Okay. Qui fait ça. Avec une octave au-dessus. Avec une octave au-dessus. Ok. Ah ouais, je vois le hook. Comme ça. T'as plein de plugins aussi, j'imagine, des trucs comme ça. Ouais, tout ça c'est du plugin en fait. Okay. Et selon l'aspect du plugin, tu peux plus ou moins le modifier. J'imagine c'est de la grosse recherche aussi, c'est comme les pédales, c'est aller chercher le petit instru subtil et tout. C'est vraiment une histoire d'harmonie aussi, c'est trouver des choses qui se mélangent ensemble. Se mettent bien ensemble, ouais, ok. Ce que j'aime bien, c'est créer un hook et la basse d'abord. Donc du coup, ici t'as le hook. Ok. Et ici t'as la basse. Et en fait, ce que j'aime bien. Avant de créer toutes les pistes intermédiaires, okay. C'est vraiment d'avoir la basse et le hook. C'est ce qui crée vraiment l'intensité dans le morceau, donc je te fais écouter ça tout de suite. C'est marrant comment ça fait nu sans tout le reste. Ça fait nu, ouais. Mais c'est aussi... Là. Ça fait nu et c'est aussi vachement psychologique. En fait, ouais. Si t'as jamais entendu ça, tu vas pas te dire que ça fait nu. Mais ouais. Avec toutes les couches supplémentaires, tu peux carrément te dire que ça fait nu. Donc après, j'avais créé cette petite mélodie. C'est vraiment les cordes. Donc les cordes, c'est les accords. Avec ce synthé-là. Je fais ça sur un Arturia. Émulation d'Arturia Mini, tu vois. Et c'est ce que je te disais. En fait, c'est des... C'est quoi, c'est des trucs inventés ou c'est des pianos qui existaient avant et qui ont retranscrit en logiciel? Exactement, donc toute cette suite de plugins, en fait, c'est des anciens synthés qui existaient d'avant, les Prophètes, il y a quoi, il y a du Rhodes, il y a plein de synthés un peu mythiques okay. qui existent d'avant que tu peux aujourd'hui encore acheter, tu vois. C'est stylé. Donc si je te mets les trois ensemble, ça donne ça. Tu vois, t'as déjà la mélodie, elle apporte... Tu vois, elle vient vraiment compléter le spectre un peu. Et ouais, j'ai aussi utilisé une petite guitare. Je vais tout minuter pour montrer juste la guitare en solo. Ah, c'est 10 au reverb, donc la 1981 et la Beatscale en même temps. Moi, j'écoutais beaucoup M83 et les différents albums. Enfin, les premiers albums qu'il a fait, et je trouve que ça rejoint un peu tout ce côté super musique de film. Aérien, mais tranché. Et... Ouais. J'adore faire des sons comme ça. J'en fais souvent, j'en sors pas beaucoup, justement. Comme dans les Memories From. Dans chaque Memories, et à chaque fois, ils sont trop kiffants. Mais c'est des sons que je mettrais pas dans des albums, je pense, mais j'adore quand même partager ces sons-là avec les gens, avec mon public, c'est important. J'aime beaucoup illustrer les images que Baptiste fait, que Jonathan fait avec de la musique et voilà. Bon bah je pense que je t'ai à peu près tout montré, j'espère que t'as envie de faire du son maintenant. Ouais, franchement c'est stylé de voir les pédales, tout le clavier, comment tu peux mettre tout ce que t'as en tête dans ton son. Genre c'est vraiment marrant à voir et à comprendre un peu comment ça se passe, c'est super enrichissant. Le matériel c'est une base, tout se passe là-dedans. Faut bien se dire que... Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais un ordinateur, un clavier MIDI. Je connaissais pas grand-chose au logiciel et aux différents synthés numériques que je vous ai montrés. On apprend petit à petit, il faut beaucoup de patience. Après, on n'a pas besoin de tout ça forcément.
Moi, j'en ai ressenti le besoin aujourd'hui, peut-être pas vous. Chacun fait la musique qu'il veut, chacun fait une musique différente. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va faire beaucoup de vidéos en Islande. J'espère que vous serez nombreux à les suivre. Moi, ça me fait plaisir de faire ce format qui change un petit peu du reste, où je suis plus en face cam, où on discute ensemble. Et voilà, à la prochaine. Clique ici. Clique ici. Clique ici. Non, mais c'est bien en fait, comme ça. Action. Okay.